Là, on est sur un site qui a 200 ans à peu près, qui a été muré par des militaires, certainement qui servaient de terrain d'entraînement pour les autres forts d'Antibes. Et on essaye de restaurer à l'identique. Donc, de donner l'impression qu'on n'a pas du tout travaillé là-dessus. Là, vous avez des élèves qui ont entre 15 et 17 ans et qui c'est leur deuxième année de formation en aménagement paysager. Sur le lycée, on les a entraînés pendant plusieurs mois à monter des petits murs. Et là, ils passent sur une application Grandeur Nature et quelque chose d'utile à la collectivité aussi. L'été, il y a beaucoup de passages ici, il y a des soirées contes, il y a des guides naturalistes, il y a même des touristes. Donc on essaye de faire quelque chose de beau et de propre, comme les angles que vous voyez derrière, par exemple, qui ont été repris sur 2 années. Là. Pour eux, ça donne un petit côté utile de plus, quoi. Ils se sentent un petit peu plus impliqués, un peu plus avec un devoir de qualité et de travail dans les règles de l'art.